Praise the Lord, everybody. Gloire à Dieu, tout le monde. Gloire à Dieu. Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Then Peter said, lo, we have left all and followed thee. Et Jésus leur dit, je vous dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme, ses frères ou ses parents ou ses enfants. And he said unto them, verily I say unto you, there is no man that have left house or parents or brethren or wife or children for the kingdom of God's sake. Ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Who shall not receive manifold more in this present time and in the world to come life everlasting. Une chose est sûre dans la marche avec Dieu. There's one thing that is sure in our walk with God. Il y a des sacrifices à faire. We have sacrifices to make. Il y a certaines choses qu'on n'aura jamais sans sacrifice. C'est impossible. There are a few things that we cannot have without sacrifice. It's impossible to have them. On a parlé aujourd'hui du réveil, par exemple. We have talked of them today. For example, revival. Personnellement et en tant qu'église. Personally and as a church, il faudra un sacrifice. There will be a sacrifice needed. Et peu importe le sacrifice que ça demande, ce ne sera jamais en vain. And whatever the sacrifice needed, it will never be in vain. Et si vous regardez à toutes les choses que Dieu peut nous demander à sacrifier, and if you look at all the things that God can ask us to sacrifice, ce sont des choses temporaires qu'on perd de toutes les façons. Those are temporary things that we will lose one day. Une fois qu'on meurt, peu importe la chose, tu la perds. When we will die, whatever be the thing, we will lose it. Alors je préfère de mon vivant le donner à Dieu par mon choix. And I rather give it to God as I am living by choice. Et si nous sommes ici aujourd'hui, and if we are here today, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des sacrifices. It's because there have been people making sacrifices. Je peux prendre l'exemple de notre cher pasteur Graham. I can take the example of our beloved Pastor Graham. C'est un homme qui a accepté l'appel de Dieu. It's a guy that had accepted the call of God. Il a fait beaucoup de sacrifices. And has done many sacrifices. Et nous en jouissons aujourd'hui. And today we rejoice over that. À notre tour aussi. Now our turn. Nous sommes appelés à faire des sacrifices. It's our turn to make the sacrifices. Parce qu'il y en a d'autres qui doivent en jouir aussi. Because there are other people that need to rejoice about that also. Et ce pourquoi j'ai bien compris aujourd'hui, and what I want us to pray for today, c'est que le Seigneur nous accorde d'avoir cette pensée non égoïste. Is that God will give us this non-selfish thinking. Et ne pas juste penser à nous-mêmes parce que ceci va au-delà de nous. And not just thinking of ourselves because this goes beyond us.
le Seigneur nous donne cette pensée à nous concentrer sur l'Éternel afin de faire le sacrifice qu'il faudra. That God will give us this way of thinking only on the Lord, so that we will be able to make the sacrifices. Alors si chacun peut prier pour soi-même. So if everyone can pray for themselves, on va prier pour nos cœurs, we'll pray for our heart, et demander au Seigneur de nous donner la force, and we'll ask God to give us the strength, de ne pas être distrait, de ne pas nous accrocher au temporaire et de manquer de faire les sacrifices qu'il nous demande. So that we won't be distracted and holding on to those temporary things instead of doing the sacrifices that he asks us for. Nous voir ensemble. Let's lift up our voice together. Merci, Seigneur. Bénissons ton Seigneur. Te rendons grâce encore, Père, pour avoir le privilège d'être dans ta maison, Seigneur. Merci, nous qui n'étions rien, Seigneur, tu as fait de nous un peuple. Toi-même, ô Père, tu es venu sur terre, tu as fait un grand sacrifice. Tu as donné de ta vie ce qu'un homme a de plus précieux, tu l'as donné pour nous, Seigneur, afin que nous qui n'avions pas de vie, puissions avoir la vie, Seigneur, en retour. Et en retour, tu appelles chacun de nous ici, Seigneur, et même en tant qu'Église, à faire des sacrifices, Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont égoïstes, qui ont profité des sacrifices des autres et qui ne se sacrifient pas eux-mêmes, Seigneur. Alors je viens prier pour nos cœurs, Seigneur. Je viens prier pour mon cœur, Seigneur. Je ne veux que rien, Seigneur, ne puisse m'empêcher de faire ton œuvre. Rien ne puisse m'empêcher de faire le sacrifice que tu m'appelles de faire, Seigneur. Je ne veux pas, au Père, retenir, Seigneur, ce qui est temporaire alors que je le perdrai un jour. Mais je reconnais que c'est un privilège que tu m'accordes lorsque tu me demandes de faire un sacrifice quelconque, Père. Alors je viens, Seigneur, te dire que je vais accepter de faire le sacrifice, Seigneur. Donne-moi la force lorsque tu me parles et que tu me demandes quelque chose de le faire, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, je ne veux rien retenir, mais je veux tout donner, Seigneur. Tout ce que tu me demanderas, Seigneur, je veux tout donner, Seigneur. Je veux être en mesure de le donner, peu importe les circonstances, peu importe les temps, Seigneur, peu importe la difficulté. Donne-moi la force, au Père, Seigneur. Donne à ton Église la force. Nous voulons être cette Église, Seigneur, que tu as choisie. Cette Église qui donne, Seigneur, afin que ton œuvre avance, afin que plusieurs autres soient sauvés, au Père, à cause du grand prix que tu as payé et que tu nous appelles à payer aussi. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. And I also want us to pray. J'ai cité le pasteur Graham tout à l'heure. I said that Pastor Graham just before. Il y en a qui ont accepté de faire le sacrifice auquel Dieu les a appelés. There are some people who have accepted the sacrificing what God has asked them to sacrifice. Et comme on peut le voir avec les disciples qu'on a lus. And as we can see as the disciples that we've just read. Même après avoir fait les sacrifices, ce n'est pas toujours facile. Even after making the sacrifice, it's not always easy. Parfois, on est découragé. Sometimes we're discouraged. Parfois, on se pose des questions. Sometimes we ask ourselves questions. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Was it really worth it? Donc, on va prier pour ceux qui ont fait des sacrifices. We'll pray for those who have made sacrifices. Que le Seigneur continue de leur donner la force de continuer. That the Lord will give them the strength to carry on. Afin que le sacrifice qu'ils ont fait ne soit pas vain. So that the sacrifice that they have made is not in vain. On peut citer les noms de nos pasteurs qui sont des gens qui ont fait des sacrifices et qui en font encore pour nous. We can give the example of our pastors, the people that have made sacrifices and are still doing sacrifices today. Et toute autre personne que vous pouvez citer. And all the person, anyone else that you could quote. On peut prier. We can pray. In Jesus, we come to you, Lord God. We thank you, God, for everything that you've done in our lives, Lord God. We thank you, God, for the good times, Lord God, and for the bad times, Lord God. We also thank you, Lord Jesus, for every sacrifice, Lord God, that have been made, Lord God. That have been made, Lord Jesus, in the secret place with you, Lord God, where you've been dealing, Lord Jesus, with the man of God, Lord Jesus, and touching them, Lord God, giving them a call, Lord God. We thank you, God, that they have answered the call, Lord God, that was in their life, Lord Jesus, sacrificing, Lord God, their lives for you, Lord Jesus, and so that many lost souls, Lord Jesus, can be saved. I pray right now that you will give them the strength, Lord God, to carry on, Lord God. I know, Lord Jesus, their sacrifices are not in vain, Lord God, for Lord Jesus, that you will strengthen every leader, every man of God in this place, Lord Jesus, and Lord God, I pray for every sin today, Lord God, as you call us to sacrifice for the kingdom. I pray, Lord God, that we will do it, Lord God, willingly, Lord Jesus. I pray that our hearts be open to you, Lord God. Let our hearts be open, Lord Jesus, to your voice. And let us not harden ourselves to you, Lord God. But let us serve you, Lord Jesus, with a willing spirit, Lord God. We pray, Lord God, for this service coming, Lord Jesus. I pray that you have your way, mighty Lord God. I pray for every
Seigneur.